Haïti, on va répondre à annoncer ça. Haïti, destination la Russie et accord. C'est pour qui là? Bon, son accord qui est en discussion, ça fait un bon petit temps. Que la Russie pas besoin visa pour la Russie de poser. Non, non, une fois que nous signons accord, là, son accord qui a éliminé visa pour le pour les passeports haïtiens. Okay. C'est-à-dire n'importe haïtien qui a voyagé à la Russie, mais au bon nombre de jours, qui a arrêté sur le territoire. Bien sûr, bien sûr. Et au pape qui a arrêté pour aller migrer parce que la Russie pas n'importe pays où va le débarquer là-dedans. Comme ça, etc. C'est-à-dire ils nous ont proposé et la signature de cet accord. Bon, et on a évalué lui et probablement nous allons signer lui bientôt. OK. Et si nous signer lui, ça bon plus parce que à chaque fois ou gain un pays qui élimine visa pour un passeport, passeport national ou il augmenter valeur passeport. Valeur passeport très bien. Et ça veut dire que bon quantité de pays parce que l'app et évaluer validité ou du moins la valeur d'un passeport d'un pays. Très bien. Généralement yo base de données, ou du moins argument pour faire évaluation, c'est combien de pays passeport ça a gagné accès sans visa. Parfait. C'est-à-dire, à chaque fois nous signons un agenda d'accord, ça, comme je l'ai signé récemment bon passeport, nous. Avec la Colombie, il est bon pour passeport haïtien. C'est-à-dire, il permet d'augmenter la valeur du passeport haïtien. Alors, pour la Colombie, c'est les passeports officiels seulement. Bon, pour la Colombie, c'est les passeports diplomatiques et officiels. C'est-à-dire, pour qui ça que je me signe. Pour la Russie, c'est pour la Russie, c'est pour tous les passeports. Et tous les passeports, oui. Mais pour la Colombie, ça fait que nous signons un diplomatique et officiel là. Parce que la Colombie, c'est un pays qui reçoit en pile réunion internationale, des institutions internationales et régionales. Bien. Et trop souvent, nous avons des fonctionnaires haïtiens qui ont besoin de leur formation, de leur réunion. Et il n'y a pas d'une ambassade de la Colombie à Port-au-Prince. Parfois, on est obligé de courir à Saint-Domingue, etc. Dès nous voyons ça, nous disons, bon, trop de problèmes. Nous avons proposé à la Colombie et la Colombie a accepté. Nous avons signé un accord pour nous éliminer visa pour les porteurs de passeports diplomatiques et officiels. C'est-à-dire, un fonctionnaire de l'État qui va leur formation, qui va dans une réunion internationale, régionale, dans la Colombie, dans n'importe quel pays, il y a un passeport officiel, il y a même un passeport diplomatique, il y a les consulats HBL. Mais M. l'ambassadeur, dans le cas colombien, est-ce que tout, nous pas prendre précaution pour ne pas la gueule, pour ne pas demander pour tout le monde avec n'importe qui passeport, puisque il y a une question de drogue, bah, ça, est-ce que non, c'est ça qui fait l'irrité seulement pour le passeport officiel et diplomatique et officiel. Nous prenons précaution pour ça. Bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas pour la Colombie, il n'y a pas d'abjam pour tous les passeports. Parce que nous dans l'aspect de sécurité, nous avons tenu compte. Et il n'y a pas d'abjam stratégiquement, nous n'y a pas d'abjam là-dedans. Maintenant, moi, j'ai une question personnelle à vous-même. Je ne sais pas si le politique ou pas. Moi, j'ai deux. En fait, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui dit que ou fait président fait deux. Ouais. Fait président fait deux. Deux, ouais. Ouais. Oh. Ma barre tous les deux. Mais ça, ah ben, si on va dire ça là, c'est job bon tout fait. Ouais. Non, mais c'est ça que je me dis. Je ne sais pas si le politique ou pas. Ah bon. Okay. Tout bon, j'ai un bon route là pour. Ok. M'attends des erreurs. Et premier barre, c'est Qatar. Uh-huh. Et façon que nous t'avons ouvert ambassade Qatar. Nouvelle déjà. Il y a beaucoup inauguré. Il y a un peu de monde qui dit. Mais pour charger d'affaires qui sont heureux. De même, deuxième bagage, c'est question Petro-Caribé, OEA, qui t'a pas vini, t'es gagné, groupe monde qui vini, yo dit c'est OEA qui vini avec eux. C'est vous-même qui t'es fait des matchs ça. Alors que OEA vient dit non, il n'y a pas de format officiel, il n'y a pas de aucun. OEA pas jamais dit ça. Est-ce que vous avez oui. OEA pas jamais dit ça. Bon, commencez par l'OEA. À aucun moment, il n'a jamais eu. Et une déclaration de l'OEA qui dit pas gain. Parce que pas oublier, c'était le président du conseil permanent. Là. Le conseil permanent, c'est l'ensemble des ambassadeurs de l'OEA. Qui, l'OEA nous gagne conseil permanent, Nations Unies nous gagne conseil de sécurité. Et c'est le président en exercice du conseil permanent. Et pour étudier le capitaine Déo, le conseil permanent, c'est l'ensemble des ambassadeurs, les représentants permanents, qui dirigé par un président. Chaque pays a un président pour 3 mois. Très bien. OK? Il arrive que le moment, ça, le pays qui a un président, conseil permanent de l'OEA, c'était les États-Unis. Les pays qui a un président, c'est son ambassadeur qui préside. OK. L'ambassadeur, le président du conseil permanent, était à Port-au-Prince, accompagné du chef de cabinet du secrétaire général. Pour qui ça que je ne pas penser ce secrétaire général Actevini? Parce que, ou pas, généralement, diplomatiquement, il est beaucoup plus acceptable pour le secrétaire général à voyager pour contre lui, sans le pas obliger un président conseil de mandat. Bien. Parce que n'oubliez pas, le secrétaire général travaille avec les États.
L'ambassadeur président du Conseil permanent représente un État et les autres États membres. Ok. Maintenant, nous demandons au secrétaire général à voir chef cabinet. Pourquoi je l'avais fait? Parce que je connais, tôt ou tard, la question haïtienne pour lui venir dans l'OEA. Ok. Eh bien, puisque je fais calcul ça, comme ministre des Affaires étrangères, je viens pour agir, comme je l'ai dit en anglais, preemptively. On preemptive strike, c'est-à-dire pour me déjà prévoir sa cabine. Eh bien, ça fait me faire, parce que puisque question a venu, eh bien, me dit, avant que question arrive sur, c'est-à-dire sur l'agenda du conseil permanent, vaut mieux me faire président conseil là, venir garder, venir comprendre le problème de la crise, lui-même dans son rapport. Prochain président qui va venir, la priorité, parce que pas bien, c'est chaque fois avant président. Prochain président qui va venir, la priorité comme rapport, comme élément. Si toutefois la question haïtienne vient sur le tapis, pour le connaître au moins, rapport ça, président en exercice dans l'or la TFA, il va servir de base pour lui entrer la question, si, question, si jamais question va venir. Maintenant, la question Qatar. Du Qatar. Et femme dit nous ça en passant et Haïti a assuré la présidence du caucus de la CARICOM à New York. À New York, oui. Aux Nations Unies. C'est Haïti qui est présidence caucus là. Actuellement. Et pour le Qatar. Pour le Qatar, je ne pas comprendre l'air dit me faire président faire erreur, nous ouvrir ambassade trop bonheur, etc. Donc, ça, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Ouais. Mais vous ne pouvez pas me donner ça. Non, vous entendez ça. Attendez, attendez. Yeah, okay. Écoutez, et. La politique étrangère d'Haïti est définie, comme je disais tout à l'heure, par le chef de l'État. Et suite à des conseils de son ministre des Affaires étrangères ou de son conseiller en politique étrangère. Très bien. Je pensais que, traditionnellement, la relation Haïti aurait été un seul côté. L'Amérique du Nord, l'Amérique latine, etc. Oui. Mais, par exemple, vers l'Afrique et vers le Moyen-Orient, nous manquait entre la deux. Et nous estimons que, et actuellement, et malheureusement, nous sommes au Qatar, mais nous avons deux ambassades pour ouvrir le Moyen-Orient. Là. Ok, c'est qui bon? Et Qatar avec Émirats Arabes Unis. Ok. Et nous avons pour parler. Donc, Qatar l'a ouvert déjà? Qatar l'a ouvert déjà. Nous avons un chargé d'affaires qui est à Qatar depuis un mois. C'est qui est-ce? Et c'est François et Guillaume, l'ancien ministre de l'Asie vivant à l'étranger. Oh, François Guillaume? Ouais, qui est le chargé d'affaires d'Haïti à Doha, Qatar. Parce que Qatar est très intéressé à avoir une coopération avec Haïti. Lors d'un pays qui est très intéressé à avoir une relation avec vous, et vous-même, vous estimez que la région pour avoir une présence et dans un nord, eh bien, qu'ils ont fait, ou tout simplement, ou négocier des termes sur les rapports, nous établir des relations. Parce que pas oublier, les relations sont établies longtemps déjà. N'importe quoi, j'aime une ambassade. Eh bien. Maintenant, le Qatar, le grand ambassadeur à Santo Domingo, l'ambassadeur du Qatar à Santo Domingo est aussi ambassadeur non résident en Haïti. Okay. Il a manifesté intérêt pour ouvrir l'ambassade en Haïti. En Haïti. Si il manifeste l'intérêt, nous-mêmes, il faut un bon premier pas pour nous faire. Bien sûr. Nous montrer la volonté, la bonne volonté d'avoir des relations, de renforcer des relations. Bien sûr. Nous commençons dans la CAIO. Okay. Émirats Arabes Unis, de même, Abu Dhabi, c'est la capitale. Okay. Et bientôt, notre travail pour nous ouvrir l'ambassade, nous là. Et bien entendu, ce n'est pas de grande ambassade, c'est une ambassade de un seul diplomate ou bien deux. Alors, pour qui ça a ouvert sur ça, donc sur le Moyen-Orient? Parce que, si la société des investissements étrangers, investissements étrangers, notamment avec l'OPIC par exemple, ou jeune en pile d'entreprises qui sont intéressées à venir investir en Haïti. Mais est-ce intéressé à Haïti, vraiment? Bien sûr, bien sûr. Ils sont intéressés à Haïti, mais ils ont un pays qui a une certaine habitude d'investissement en Haïti. Okay. Ça fait l'OPIC là-bas très important. Parce que et entreprises étrangères, l'autre pays, il y a une entreprise américaine qui a ajouté un cap investi. Ça inspire confiance. Non seulement déjà une relation avec lui, mais ça inspire une confiance davantage pour l'investir tout. Bien, bien. Et par exemple, un pays comme les Émirats Arabes Unis qui est intéressé en pile la question de construction de ports, construction et gestion de ports. Bien, bien. Mais nous avons d'un côté, par exemple, nous avons construit des ports. Qui a. Parce que. Faut liberté, par exemple. Nous avons près de.
plus de 20 à 25% commerce international, le trafic maritime international va passer là. Il va passer là. C'est-à-dire, nous va exploiter rien. Liberté, c'est la cola. C'est une question de vision, tout. Oui, non seulement une question de vision. Est-ce que Jean Nouvel a tombé et question insécurité, instabilité, est-ce que vous pas goûter contre toute stratégie ça? Mais écoutez, mais c'est une plus gros coup dans toute action diplomatique que nous entreprenons dans le domaine ça. C'est une plus gros coup. Nous prenons question pays là. Pays là, quand on va qui un coup, un bloc extraordinaire à Haïti. Ça nous capable rendre compte de ça. Et pays là, il fait un pile dommage. Et dommage ça, c'est dommage qu'après n'importe 15 ans, 20 ans, vous réparer. Vous réparer. Sérieusement. Ouais. Sans aucune, animosité contre le secteur, etc. Mais son vérité est liée. Je n'ai pas peur d'y aller parce que Haïti a beaucoup souffert de ça. C'est bon, question de Wesley Jovenel Moïse, et ils ont été le jeu de Dieu. On parle d'Haïti. Alors, c'est juste pour dire que, et question de Wesley, la m'embarrasse en lié, ça a été un choix intelligent. Très bien. Haïti doit s'ouvrir au monde, doit s'ouvrir davantage au monde. Ne pas acheter à l'ancienne et pratique ou du même social coûte une relation diplomatique avec dans notre région, Caraïbes, Amérique latine et Europe, sans aller vers des pays de moyen. Non, on a regardé deux points rapidement là, donc, monsieur le ministre. Et Haïti et déportation, est-ce que vous avez un rapport que les pays haïtiens ont déporté? Déporté de qui bon? Des États-Unis. Ça, on s'en existe, ce qui était toujours là depuis longtemps. Oui. Parce que je me suis dit que j'ai 16 autres femmes, 28 ans au ministère de carrière. Moi, je suis quand même des jeunes fonctionnaires au ministère, à la direction des affaires juridiques, qui sont déportations. Par quantité. Oui, mais là, la fête en rythme beaucoup plus accéléré. Bon, même pas c'est tous les fêtes. Pour les États-Unis, toutes déportations que faites, c'est des déportations généralement qui suivent d'une décision d'un tribunal. Eh bien. Et je ne dis pas rien, je ne sais pas rencontrer un cas ici, je suis rencontré dans la rue, mais c'est d'après vous, elle finit. Ouais. C'est toujours des cas, soit un monde qui était condamné pour un crime, qui, soit un monde qui. Par exemple, on lumière rouge boulet pour les États-Unis, son crime. Son crime. Le cas juge pour ça, si vous arrêtez au juge, vous avez une situation régulière, vous avez tout au vide. Vous considérez tout accident. Tout accident. Quand tu parles, c'est pas de barrière comme dit, je connais que. Ça, je ne pas pour dire. Je ne pas pour dire que je ne vois pas ici, arrêté de mettre dans l'avion, je ne pas penser comme ça, de toujours. J'aime qu'on ait de toujours. C'est haïtien arrêté, c'est un haïtien soit qui soit qui a un problème personnel la Cali, soit qui a un accident de machine, une lumière rouge, soit qui fait un acte de on va crime quel que soit saleté. Eh bien, il a arrêté où ou aller devant un juge et le juge arrive à décider que l'on situation les gars de statut, profitez, après tout, on va venir. Mais vos documents pour, etc. Mais généralement, les fêtes de concert avec, dans l'époque, l'aime de la direction affaires juridiques, nous sommes les fêtes avec la DCPJ. Okay. Notamment pour les déportés qui ont un antécédent criminel. Les gens viennent remettre à la DCPJ, DCPJ fait un prêt. Après, ils font le dossier. Après, ils demandent pour venir tout, au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine pour venir ici. Même pas qu'on ait commencé à faire couillère. Monsieur Boshid Edmond, et ministre des Affaires étrangères, le personnel diplomatique a souffri en pile. Les Algériens. J'ai une raison pour me battre avec Nado. Parce que. Oui, vraiment. Parce qu'il fait mal. Personnel l'a souffert. Il fait mal. Ouais. Il fait mal parce que pour avoir connu ces moments difficiles, ouais. Et je sais ce que ça veut dire. Passer là-dedans ou tout. Passer là-dedans. Ouais, très bien. Je sais ce que ça veut dire. Mais où se situe le problème? Le problème se situe au niveau du. Pas un budget. Ouais. Les recettes fiscales sont très maigres. Ouais. Et le dollar a beaucoup apprécié. Ouais. Face à la goud, à la monnaie nationale. Et le ministère des Affaires étrangères a un budget qui était fait pour 2018-2019 sous 70 goud. Aïe. Mais c'est moins important de l'aïe. Nous avons un goud là, 94 goud pour moi. Non, ou plonger là. Vous imaginez que si nous avons besoin 1 million de dollars. Ouais, vous payez pour si tu as besoin d'un million de dollars, nous avons besoin au moins combien de millions de gouttes pour un million de dollars, nous avons un montant presque doublé. Presque doublé, ouais. Et ce n'est pas un compte que le ministère des Affaires étrangères gagne là sur compte chaque mois, le fait transfert, vous y allez. Non. C'est une réquisition que je dois adresser au ministère des Finances. Et le ministère des Finances n'est pas pour nous relier en fonction de l'entrée et recette fiscale. Yo. Quand il y a la ministère des Finances, vous voyez le bar, et BNC ou bien Banque Centrale, ou même il y a acheté dollars, ou bien non.
Donc, moun ki nan diplomatie la, yo mette Marie Ceinture. C'est malheureux pour me dire, mais je m'en donne un petit temps toujours pour ouais. Parce que la situation est complète. Ministre, je ne souhaite pas expliquer mon yo que. Non, mais. Ou qu'on fait journée dans le ministère de finance en tout. Mais, ministre, pas la queue. Oh, non, mais je parle avec collègue ministre de finance tous les jours, mais il y a des fois qu'il me fait mal pour lui. Même si je dis, mais pas rien. Même si je montre la recette fiscale là, c'est-à-dire recette pour un jour. Je dis, dans toute carrière, c'est des barres parfois le machin, ouais. Pour la garder recette fiscale un jour. Tellement maigre. Dans toute carrière, il est comme et fonctionnaire du ministère des Finances. Je me suis dit, il faut le barrer ça. Bon, est-ce que pas nous-mêmes qui passons comme vous nommez ces cabios? Ça me devait dire, c'est que. Je pense que c'est tout. Structurant et collecte et recette, ça qui est important pour changer. Par exemple, dans la douane, nous avons une situation en bas de la saline, le monde bagarre le pied, le monde bagarre le pied. Mais il faut penser un jour quand même. Même quand il faut nous remédier à des autres arts à faire en bas, mais il faut penser aussi un jour à trouver d'autres moyens de collecte de services. Alors, moi-même, je voulais dire, Mounio, bagay la contris, Louko, l'on parle dans le ministère de Finances, ou je nomme ministre, qui a au moins 2 heures de temps, l'abtenu ministre de Finances là. Au ministre qu'on gagne 3 heures de temps, l'abtenu ministre finisse là, parce qu'il pas calé, ça le besoin régler à fuck lui, il régler, parce que tête chaud. Oui, moi ça montre état et moi-même pour me dire ça honnêtement. Pour me dire, n'a pas terminé tes visas avec moi. Oui, avant on notre triste là. Oui, avant de terminer et non avant d'en finir tout, faut qu'on tourne sur question République Dominicaine, la question Nations Unies. Très bien. Faut me dire ça honnêtement et bon. Et nous sommes ministres jusqu'à ce que l'autre ministre qui est en place. Mais ça va sortir en moins comme un citoyen d'abord. Oui, comme citoyen, très bien. Et comme tout ça, chaque jour, je vais regarder avec beaucoup de. Parce que tout à l'heure, même là où tu as entendu, on va parler d'un jeune garçon, par exemple, oui. Qui nous a obligé à lever les pieds à 4 heures du matin. Mais c'est vrai, son vérité. Pour l'acheter à son chaîne, c'est parce que quand il écoute le dormir, il faut le sortir. Ça fait mal. Oui, c'est vrai. Ça fait mal parce que je suis jeune tout. Et grâce à Dieu, je me suis levé en famille qui était dans la difficulté. Ça. Ouais. Et je fais études primaires ouais, dans la grandance. Ensuite, je fais études secondaires ici. Je suis vivre là-bas, je fais études primaires. Je suis vivre. À l'époque, je suis cher. Je suis vivre dans le bien-être. Je suis bien. Très bien, très bien. Mais mon cher, je suis caché de Dieu. Je suis fait secondaire à Port-au-Prince. Et. Je me suis des jours difficiles. Oui, tout est province. Je me dit, oh, tout est province. Je ne sais pas la caméra. Oui, tout est province. Je ne peux comprendre ça. Ouais. Parce que je n'oublie pas à l'époque, le temps pour bateau vini avec provision alimentaire, etc. Comme ça. Ouais. Si on a un mauvais temps, ouais. Provision étant finie, on ouais. N'a personne n'a pas de place pour faire les portes. Eh, écoutez, ça a fait sentir. Mais ça fait mal. On va parler d'un jeune qui, très souvent, et c'est ça le problème du d'Haïti. Ouais. Et nos jeunes sont désespérés. Ah ouais. Il y a plus d'espoir. Et me pense une raison, une façon pour résoudre ça, c'est capacité de stabilité politique pour créer un emploi, ouais. Pour gagner monde qui investit. Eh bien. Parce qu'il y a pas mal de jeunes haïtiens qui ont pile de bonnes idées en tête, yo, qui ont créé des entreprises. Oui, mais est-ce que nous-mêmes, en fait, de ce gouvernement, nous conscients de ça? Parce que, ouais. On a l'impression, en fait, le pays, mm-hmm. Il y a l'impression que le gouvernement, le président Jovenel Moïse et vous autres comme ministres, et nous pas conscients de la situation. Pourquoi m'a dit? Parce que si m'a dit, le président va conscient de la situation. Nous, c'est l'impression que tout le monde est. Ou bien l'autre ministre, bah, on est bon. Mais même, attendez, j'ai un privilège pour travailler président très souvent. Yeah. Pour me rencontrer avec lui dans des réunions, dans des rencontres. Et moi, à plusieurs reprises, il m'a montré très préoccupé de ça. Ouais. Et moi, monsieur, vraiment défoncé le boulot de nos solutions. Monsieur, par contre, les solutions, si c'est l'en-même le vrai ou bien pas l'en-même. Mais moi, j'ai été toujours témoin. Moi, très souvent, qui a pris ça, qui barre un livre, les faits. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de ce pays Locke. Tu as parlé de Locke, oui. Oui, oui. Mais bon, tu vois, qui t'aime d'où, il y a une barre qui nuit en pile et qui fatigue en pile. Je me réfléchis très souvent, débuté bien matin. On dit par exemple, nous dans la saison cyclonique là, on dit par exemple, une catastrophe, tu as possible de matcher passer là. Oui. Qui prend la charge? On dit par exemple, l'ouverture.